Salut. Merci d'être avec nous. Merci à vous surtout. Est-ce que tu peux te présenter hors rallye, ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Alors, rapidement, donc, moi je suis ingénieur de formation et aujourd'hui je suis entrepreneur dans le conseil en industrie, c'est-à-dire que je viens aider des industriels sur des problématiques techniques. En fait, on a des équipes d'ingénieurs qu'on recrute et qu'on met à disposition sur des compétences spécifiques pour des projets spécifiques dans les industries automobiles et pharmaceutiques notamment. Donc en suivant ton parcours, j'ai pu remarquer un certain virus familial. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment c'est venu? En fait, mon père a roulé avant ma naissance, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai pas connu. Moi, j'ai fait de l'équitation au début, quand j'étais plus jeune. Et puis, en 94, il a démarré la rallye, donc j'étais sur le bord des spéciales. J'ai continué l'équitation pendant quelques temps à cette époque-là. Et puis tout doucement, en faisant un peu de karting de location, enfin voilà, c'est venu petit à petit. Et jusqu'à démarrer le karting en 2003 en loisir, puis finalement en compétition. En 2003, c'est ça, et puis après, les choses se faisant, j'en suis arrivé moi aussi à faire du sport automobile. Bah justement, donc en 2009, tu commences le rallye. Oui, tout à fait. C'est venu par un hasard? Un peu, oui, parce que je faisais du karting, effectivement, ce qui est différent de l'automobile. À l'époque, j'ai eu la chance de faire des sélections comme la J-Cup qui était sur les Logan, rallye jeune aussi. Et finalement, moi, j'ai vu qu'avec des véhicules de série, ça avait été pas trop mal, puisque j'ai été deux fois finaliste de rallye jeune, donc dans les six derniers. J'ai gagné la J-Cup, c'est ce qui m'a permis finalement d'apprendre à rouler. Et puis à l'époque, il y avait un volant qui s'appelait le volant Subaru, qui n'a jamais été fait d'ailleurs, pour des raisons politiques chez Subaru, mais j'ai eu la chance de gagner ce volant devant Eric Camille et Jérémy Ancien, qui était pourtant pas de... C'était le Boxer Cup, il me semble. Exactement, la Boxer Cup avec les Subaru Diesel. Et donc en fait, en gagnant cette coupe, il n'y avait pas de volant, puisque la coupe a été annulée. En revanche, j'ai gagné une Subaru. Et donc cette Subaru m'a permis de financer ma première saison de rallye. Et donc 2009, j'ai démarré par la Swift Cup en championnat de France directement. Ouais, c'était le Charbonnier. C'était ma première course, ouais. Et 10 jours de l'épreuve, je ne savais même pas si je roulais. Ouais, donc tu commences assez fort. Bah, assez fort, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que ça a été une grosse épreuve tout de suite. C'était forcément une grosse découverte. Hein. Je n'avais jamais pris une note de ma vie. J'avais... un peu de roulage en voiture, mais avec des véhicules de série. Alors finalement, ça n'a pas trop changé, parce que la Swift était dans notre série aussi. C'était des amortisseurs dérivés de la série, la boîte de série avec un couple court. Enfin voilà, c'était assez proche, et finalement, ça m'a permis de me mettre dedans assez facilement, j'ai envie de dire, puisque c'était ressemblant à ce que j'avais pu connaître auparavant. Ouais. Et donc, depuis 2009, tu as fait 57 départs? Peut-être. Si. Ouais, peut-être 58, s'il y a celui en Belgique qui n'est pas sur l'IWRC, mais ouais, ça doit être dans ces eaux-là. Ouais. Donc sur console 58, on va dire c'est pareil. Voilà. Et en 2011, tu passes chez la marque au Los Angeles avec la Twingo R1. Oui. Après Mondial, ouais, effectivement, c'était une saison un peu compliquée. Comment? Il y avait de quoi jouer, je pense, la coupe. J'avais peu de rallye à mon actif, mais en tout cas... J'avais plutôt la pointe de vitesse, on a été un peu embêté avec la voiture au Touquet, puisqu'on a un tringlerie de boîte qui saute à chaque fois, donc j'ai fait une grosse partie des spéciales en 4 dans la première boucle, et une grosse partie des spéciales en 5e uniquement dans la deuxième boucle. Donc forcément on prend des minutes tout de suite, mais on a fait des gros temps dès que la voiture a fonctionné, et puis on a fait le charbonnière derrière pour préparer le Limousin, qui s'était très bien passé, puisqu'on gagnait en R1 à l'époque, et on avait fait des bons temps, et puis bon, malheureusement le Limousin s'est arrêté... bout de la deuxième spéciale, enfin troisième du coup, puisqu'il y avait la petite spéciale avant. On sort et ça a mis un peu fin à la saison, puisque il y a eu des histoires un peu sombres avec le loueur qui ont fait que malheureusement, financièrement, on n'a pas pu suivre. D'accord. Et lors de ta réponse, tu nous as parlé de Mondial, mm-hmm. avec la Ford Fiesta. Tout à fait. Puis tu nous as parlé comment est venue cette opportunité. J'ai envie de dire par hasard, puisque j'ai roulé en 2009 en Swift, et en 2010, j'ai pas roulé à part cette course. J'étais copilote une fois d'ailleurs avec Émeric Lenoir qui faisait son premier rallye, et donc j'avais reroulé une seule fois mais en copilote, et j'ai fait le Mondial, mais vraiment un peu par hasard, dans le sens où un jour il y a Gaëtan Houssin, donc, qui m'a copiloté au Mondial, qui m'a appelé et qui me dit: écoute, est-ce que ça te dit de faire un Mondial? La question n'a pas posé, bien sûr oui. Et finalement on devait faire le rallye de France qui se déroule à l'époque en septembre ou octobre, je ne sais plus à quel moment. Et au moment où on discute, c'était quelque chose comme mi-juillet, donc ça faisait très court pour monter un programme avec les budgets qu'elle avait. Mais en y réfléchissant, puisqu'il y avait un partenaire aussi derrière qui pouvait nous accompagner, on
on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire le RAC, qui est finalement pas si loin de la France, qui est après Rallye de France, et on s'est vite rabattu sur cette idée. Le gros souci, c'est que j'avais jamais fait de terre de ma vie. J'avais fait 6 départs en rallye dans toute ma carrière sportive, donc c'était un gros challenge, quoi. Jamais fait de mondial, jamais roulé avec la Fiesta R2, première fois avec Gaëtan, première fois sur la terre, enfin c'était une grosse découverte de tout, quoi. Et avec une grosse performance. Une grosse performance sur le papier, effectivement, c'était pas mal. Aujourd'hui, avec le recul, je pense que je le ferais différemment et je le préparerais différemment pour peut-être aller plus vite, mais à l'époque, on avait déjà fait une belle perf pour un 7e départ. J'ai mis 2e de la Coupe Ford, encore en ayant eu un problème de frein, on perd 6 minutes. On a crevé, on perd les freins. Et puis, mais on a fait quand même 3 scratchs, je crois, 3-4 scratchs dans le rallye en coupe, alors que Arjunt avait fait, c'était son 27e rallye de la saison, donc on était contents pour une découverte, c'était génial. Et Gaëtan, du coup, on a remis le couvert plus tard, parce que justement, on s'est fait plaisir. Et en 2012, avec la Clio RS, donc comment ça s'est passé? Je crois que c'était même plus tard que ça, puisqu'en 2012, il me semble que j'avais plus de budget, j'avais fait des slaloms. D'accord. Et j'avais été champion de ligue de slalom en sautant de voiture en voiture, puisque j'avais roulé avec une 205 N1, j'avais roulé avec une 206 F214, enfin, voilà, j'avais essayé de trouver des montres comme je pouvais avec le peu de budget que j'avais, et énorme surprise de devenir champion de ligue à la fin, ça a été la cerise sur le gâteau, parce que je voulais juste ne pas perdre la main, garder le rythme de course sur une épreuve qui coûte finalement pas si cher. C'est vrai que le slalom, c'est... Vu de loin, quand on fait du rallye, on se dit ouais, c'est un truc de supermarché, à faire sur des parkings, des slaloms. Mais en fait, c'est beaucoup plus technique qu'on ne pense, et je pense qu'il y en a. Ça peut aider certains de faire du slalom, parce que c'est un rythme totalement différent, mais il faut être très précis. D'accord. Donc, comme Caroline t'a dit, tu es passé à la fameuse Clio qui roulait en A7. Tout à fait. Voilà. Beaucoup de problèmes mécaniques dessus, un défaut de jeunesse. Bon, déjà, on a acheté une voiture loin, on a eu beaucoup de choses à faire dessus. Puis effectivement, déjà, j'avais crashé la première en Belgique, avec Gaëtan d'ailleurs, qui n'était pas très belle, donc on avait remonté une caisse. Et puis, on a eu quelques soucis de fiabilité au bout d'un moment. Voilà. On a dit, on va arrêter les dégâts. Mais c'était une bonne auto, en fait, parce que le bruit était mythique, quoi. Et bon, malheureusement, les perfs étaient là, les chronos étaient plutôt bons, mais c'est vrai que c'était dommage d'avoir des problèmes de fiabilité qui nous ont un peu freiné finalement, avec cette voiture, quoi. Quelle voiture, parce que là j'entends en fait plein de voitures, et laquelle t'as plus marqué? Grosse question. Disons que ça a pu me marquer pour différentes raisons, en fait. Au tout début, j'avais roulé avec une Fiesta ST en N3, c'était mon 6e départ, on avait fait ça un peu par hasard, c'était pas prévu. Ça m'avait impressionné parce que je sortais de la Swift avec des pneus de série, avec des suspensions un peu pompe à vélo forcément, puisque c'était vraiment pour réduire les coûts. Et là, j'arrivais avec une Fiesta qui a été montée chez M Sport, avec des vrais pneus de course, avec des freins, avec un frein main hydraulique. Enfin, déjà, c'était une première voiture de course, et ça m'avait déjà impressionné du fait de mon peu de kilomètres en rallye. Et puis après, finalement, j'ai eu l'occasion de découvrir la Mitsubishi, puisque je sortais de la Twingo. Donc on passe de 130 chevaux à 300, donc c'était... grosse marche, on a fait 30 km d'essai avec la voiture, on est parti au rallye comme ça et on fait le temps de groupe dans la première vraie spéciale, donc ça m'a été content, mais ça a été une voiture impressionnante pour ça, parce qu'il y a un couple de camions forcément, c'est un turbo, donc c'est différent à rouler. Oui, j'avais apprécié pour ça. Ok, puis après tu es passé à la fameuse RS Ragnotti. Ouais. Tu nous en parles un peu de cette série-là. Avec cette voiture, et ça a été une vraiment, je pense, la voiture avec laquelle j'ai le plus progressé, parce que ça pardonne tout, en fait. C'est une caisse qui est rivée au sol, même si c'est un moteur de série qu'on avait dedans, on n'avait rien de fou, on avait juste, par contre, on avait une très bonne suspension, une très bonne boîte dedans avec la Crabo, et c'est et en fait ça pardonnait tout, quoi. Je me suis jamais posé de questions avec cette voiture, c'est à dire que j'ai toujours roulé pour ainsi dire à bloc. Je ne me suis jamais posé de questions sur savoir si ça pouvait passer ou pas, en fait. Et on est
On n'est même pas sorti. La seule fois où on est sorti, je crois que c'était au Charlemagne, et c'est parce qu'il y avait des spectateurs qui avaient mis de l'huile de friture sur la route, et on a traversé la haie, et finalement tout le monde nous a suivi derrière, mais on avait déjà ouvert la haie, donc ils sont tous ressortis, mais pas nous. Ah, d'accord. Malheureusement. Mais c'était une super voiture, pour ça c'était top. Le gros souci que j'ai pu rencontrer, c'est que bon, j'attaquais très très fort avec cette voiture, ça reste du groupe N, donc du série. Ouais, c'était une 23. Et il y a un moment donné, voilà, quand ça commence à travailler, on a eu quelques problèmes méga, mais on ne pouvait pas forcément y faire grand-chose. À chaque assistance, on serrait tous les trains, parce que tous desserraient à force de mettre vraiment le pied dans la tôle. Donc c'était, ouais, c'était très sympa, mais ça manquait un peu de fiabilité pour une grosse attaque tout le temps. Ta plus belle épreuve? Bon, je vais dire le rack, quand même. Championnat du monde, c'est la seule que j'ai faite, mais ouais, c'est splendide. Enfin, quand on voit les vidéos des Macrae et autres... on leur a fait toutes leurs perfs, on se dit mais comment ils font, puis en fait un jour on est dessus, c'est... ouais, c'est impressionnant, ouais. Surtout qu'à l'époque, quand j'avais fait le mondial, on n'était que trois Français pilotes au départ, il y avait Loeb, Auger, et j'étais le seul, et c'est vrai qu'avant que tout le monde en fasse beaucoup, parce qu'on en voit beaucoup aujourd'hui des pilotes français en mondial, à l'époque il n'y en avait pas ou plus en tout cas, et c'était une grosse opportunité pour moi, et une belle visibilité finalement, parce que... mais magnifique épreuve, ouais, magnifique. Avant de parler de 2016, en 2015, tu as commencé à rouler de plus en plus avec Margot. Ouais, c'était le début, je crois, d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que ce nouveau duo t'a apporté? Bah déjà, on se connaît dans la vie, donc il y a moins de questions qui se posent à savoir comment l'autre fonctionne. Donc c'est vrai qu'il y a déjà cette simplicité-là qui fait que ça aide. Après, comment ? J'ai envie de dire, elle me connaît, en fait, déjà. Je pense que c'est surtout ça. C'est-à-dire que je sais que je peux aller très vite, parfois trop vite. Et le fait que quelqu'un me connaisse et me tempère aussi à côté en me disant pas plus, parce que c'est vrai que quand on est dedans, on a toujours l'impression de rouler à 90%, il reste toujours une marge. Hein, mais parfois, elle n'y est pas du tout, mais on n'a pas l'impression, en tant que pilote, de l'avoir, cette marge. Et c'est vrai que c'était une... je pense que c'est là-dessus où j'ai été plus régulier, parce que finalement, après ça, j'ai eu peu de sorties de route. Je pense qu'il a dû m'arriver, mais je ne les ai pas forcément en tête. Une seule au Porte-Normande où on a sorti la Saxo, et c'est vrai que j'en ai pas eu tant que ça. Alors qu'avant, j'en ai eu plus. Alors l'expérience a joué, et puis je pense qu'effectivement, le fait d'avoir roulé avec ma sœur a dû jouer aussi, parce que bah, elle savait me dire à un moment donné stop, quoi. On ne voit pas plus haut. Ouais. D'accord. Voilà. ça sauve des fois. Voilà, donc en 2016, là, la Saxo. Alors, tu commences avec la Saxo M2. Alors, c'était la F213 d'abord, parce qu'en fait, fin 2016, on a eu quand on a vendu la Ragnotti, on a eu la première Saxo qui venait de Normandie, où on est parti directement avec ce qu'on avait acheté. Au premier rallye, ça a été très vite, bien qu'on découvrait. Tout le monde pensait qu'on était vraiment à bloc, mais pour le coup, j'avais vraiment de la marge. Sauf que bah, je me suis fait piéger, j'ai mal entendu une note. Je sais plus ce que j'ai compris, je crois que j'ai compris 110 au lieu de 90, donc autant dire que je suis passé à 100, dans un virage, pour moi, à 110, beaucoup trop vite. Et au moment où voilà, je me rends compte que c'est trop vite, bah, il est trop tard et la voiture part légèrement en glisse. Je viens juste me poser sur un tabli, mais on la met sur le côté, quoi. Donc en soi, rien de grave, puisqu'on repart. Sauf que en fait, en tapant le talus, on a pété le radiateur d'huile. Donc on a cassé le moteur. Et donc voilà, pour aller plus vite, au départ, on s'est dit on change la caisse, tente de tout démonter, tout remonter, autant qu'on en fabrique une en parallèle. Et puis finalement, on l'a mis plus de temps que prévu. Et c'est vrai qu'on a roulé avec la N2 au départ, grâce à Jean-François Gallet qui nous a gentiment prêter la Saxo N2 le temps qu'on remonte l'autre, et ça m'a permis de faire notamment le Touquet avec la N2, et puis derrière on avait fait Vervin et la Lys, où on a fait des très belles perfs. Ouais. Ouais, la Lys avec des passages multiples sur deux roues. Entre autres. Voilà. Et d'ailleurs, tu avais fait une 6e place au Porte-Normande, il me semble bien. À la fin de l'année, ouais. Ouais. Puisqu'on avait remonté la F213, on a eu quelques soucis de jeunesse, hein. C'est vrai qu'on a remonté la voiture qui était bien faite, mais bon. Ça reste une F2000 au départ, il faut faire des kilomètres pour essuyer un peu les plâtres. Et puis, au Porte-Normande, ça avait relativement bien fonctionné, avec quelques coupures, et malgré ça, on avait quand même fini 6e, ce qui était une très bonne perf, hein, pour un premier vrai rallye finalement avec la voiture. Quoi. Ouais, sur 8 rallyes, 5 victoires en 2017, ouais, 5 victoires de classe. Et puis un podium aussi. Et un podium en N2. Non, au scratch même, à Vervin, on avait fait trop au scratch, ouais. Scratch à Vervin, effectivement. Exact. Ouais. Exact. Donc tu avais fait donc 8 rallyes pour seulement 3 en Bordeaux. Donc on voit simplement la progression, ouais. L'entente. Qu'est-ce que tu retires de cette année-là?
Bon, plein de choses, parce que ça a été vraiment l'année où j'ai pu, au-delà de rouler devant, d'être régulièrement devant en fait. C'est vrai qu'avec la Clio, ça avait été vite, mais il y a des rallyes où forcément, avec un moteur d'origine, on est plus ou moins derrière. Bon, à Saxo, il y avait 220 chevaux dedans, on avait tout ce qu'il fallait pour que ça marche. On arrivait plus facilement, même sur des rallyes qui sont pas forcément adaptés à la voiture, à faire des bons temps, puisque sur un Béthune, on était... Je crois qu'on était 4 au scratch après la première boucle, alors qu'il y avait 8 WRC qui étaient au départ. Enfin, c'était un truc de fou. Donc, au Touquet, on gagne le Michelin devant Cédric Robert, devant une Porsche GT+, devant... Enfin, voilà, c'était super vite. Ou à Vervins, on fait 3 au scratch. Au Marc-Anterche, mon premier scratch au général, dans une spéciale, alors qu'il y avait des R5 aussi. Enfin, voilà, c'était une grosse année, finalement, où tout a... Avec beaucoup de souvenirs, des passages en très grosse corde au Marc-Anterche. Entre autres, ouais, c'est vrai que le Marc-Anterche, pour ça, c'est un super rallye. C'est le seul rallye vraiment très technique de la région. On peut aller jouer avec des grosses parce que là, il faut attaquer fort pour faire des temps. Il y a beaucoup moins de problématiques moteur. C'est beaucoup plus du châssis et finalement du gros cœur. Quoi. Ouais, mais cette année, il me semble bien que c'est toi et puis Raoul Lacroix qui avait créé le buzz. Je crois qu'il avait fait le scratch dans la première et moi le deuxième temps, et donc ouais. On repartait tous les deux devant le lendemain. C'était une grosse surprise pour tout le monde. Voilà, puis beaucoup se sont posé la question, qu'est-ce que je fais là, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est... Baf. C'est un bon souvenir. Qu'est-ce que je fais là? Je sais pas si les gens se sont forcément dit ça. Par contre, ce qui était bien, c'est que finalement, ils se sont rendus compte qu'avec des petites autos, on pouvait aller vite. Donc déjà, ça a pu booster peut-être certains pilotes. Et puis, inversement, ceux qui avaient peut-être des voitures plus puissantes, finalement, se sont dit, c'est qu'il nous manque peut-être quelque chose pour aller encore plus vite. Et aujourd'hui, on voit que les R5, on n'arrive plus à aller les chercher, alors qu'avant, on y arrivait. Donc c'est qu'eux aussi ont progressé, eux aussi se sont améliorés, ils sont allés chercher un peu plus loin dans les réglages, dans leur pilotage aussi des ressources. Et finalement, aujourd'hui, même avec des 2000, on a beaucoup plus de mal à aller les chercher. On le voit régulièrement. Avant, on arrivait à faire des 3e temps scratch. Je ne vais pas dire régulièrement, mais on arrive à les faire. Maintenant, avec le volume de R5, de A8, de WRC parfois qu'il peut y avoir, c'est plus difficile. Droite 110, rail pourri. De suite, droite 110, rail pourri. 120 mètres, bouge. Droite 120-33, et fini éjecte, attention là-bas. Et fini éjecte sur frein 50 mètres gauche, 106. Frein 50 mètres gauche, 106. Gauche 106. 60 mètres. Droite 130 taux, et ferme 110 corps de rail. Ferme 110 corps de rail. 100 mètres. Frein avant gauche, 140 pouces, droite 110 pleine corde. Droite 110, pleine corde, et 40 mètres. Gauche 130, pour droite 122, pleine corde. Pour droite 122, pleine corde, et 40 mètres, frein gauche 30. Frein gauche 30. Relance en gauche 130, et 80 mètres en file, droite 160. Droite 160. Question, je ne sais pas. Après, la voiture fonctionne bien. Effectivement, on a fait un temps scratch, c'est mon tout premier. Donc on était super heureux dans la voiture. C'est vrai qu'après nos péripéties d'hier soir, le petit tour droit, c'est de ma faute, mais ce matin là, le coup de la pédale qui est franchement un peu frustrant, mais c'est comme ça, c'est le jeu, malheureusement. Et on a fait des bons temps, et deuxième temps scratch, et les deux deuxième temps qu'on fait, on en fait trois, et dans les deux on en fait à moins d'une seconde d'Yves. Donc on peut dire qu'on peut être très heureux, très très heureux. Donc en 2019, tu n'as pas roulé? Non. Il y a un projet qui se prépare? Quels sont tes projets pour 2020, pour cette saison? Du coup, effectivement, on n'a pas roulé en 2019 pour diverses raisons. C'est que la Saxo a été vendue. On a eu l'occasion de racheter une caisse d'Alpha 147 sans moteur boîte, puisque l'objectif c'était justement que je parte avec du neuf pour éviter les problèmes de fiabilité. Donc 2019, on aurait dû commencer à rouler, puis finalement entre le temps qu'on a pu mettre pour fabriquer la voiture, parce que voilà, on a voulu faire les choses bien, donc ça sert à rien de se précipiter non plus, plus le budget, faut être clair, à un moment donné, monter une voiture ça coûte beaucoup de sous,
Voilà, tout ça a fait qu'à un moment donné, j'ai dit que ça ne sert à rien de précipiter les choses. Même 2020, on aurait pu être au route du Nord. Puis finalement, bon, on a raisonnablement préféré se reporter sur une course un peu plus tard. Alors, il y a 99% de chances qu'on soit au Touquet. Tant que j'y suis pas, voilà, je mettrai quand même une réserve, mais c'est l'objectif. Donc ouais, ça va être un beau projet, parce que c'est un projet un peu unique aussi. Il n'y en a pas eu dans le nord de la France, il n'y en a que deux qui roulent en France, on en a eu 2000. Donc ça va être surprenant, je pense, pour beaucoup, pour tout le monde d'ailleurs, que ce soit les spectateurs, que ce soit les concurrents, parce que personne ne connaît la voiture, même les techniques, parce qu'ils ne connaissent pas la voiture. Donc je pense qu'on va avoir le droit aussi à un regard pour savoir ce que c'est, parce que c'est logique, quoi, pour vérifier que tout soit conforme, j'ai aucun doute là-dessus. Mais ça va être surprenant, parce que je pense que ça va être efficace aussi. Ouais. Pas de regret par rapport à la Saxo, la vente de la Saxo ? Non. Non ? Non, parce que ça a été une suite logique, c'est que avec la Saxo, j'étais vraiment au bout de la voiture. Voilà, si je voulais aller plus vite, fallait que je mette un chèque d'assurance à chaque fois, parce que c'était trop risqué pour aller faire des temps et risquer de la sortir. Mmh. Et là, j'étais au bout. T'avais fait le tour de... Voilà. Là, le tour, on peut toujours faire un peu mieux, mais ce que je disais, pour faire mieux, après, il fallait prendre de gros risques, et c'est-à-dire risquer de sortir, ouais. Peut-être même de se faire mal. Mmh. Donc si je voulais pouvoir aller un petit peu plus vite, il valait mieux avoir une voiture un peu plus puissante, finalement, avec un peu plus de couple aussi. Mmh. Certes, un peu plus lourde, mais par contre, je pense qu'il sur le papier est quand même plus performante. On verra à la longue ce que ça donne, mais je pense qu'il y a entre une demi-seconde et une seconde au kill par rapport à une F213, parce que on a quand même quelque chose qui va tourner autour de 250 chevaux, à peu de choses près. Plus ou moins 10 chevaux, mais voilà, on va avoir quelque chose qui marche bien avec un gros couple, et puis des bons trains, des bonnes suspensions, des bons freins, enfin tout ce qui va derrière pour que ça marche, quoi. Donc on va bientôt te revoir. Oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif, ouais. Tu as un message à faire passer à tes supporters, à la Ouais, j'ai du message à passer à beaucoup de monde, parce que de toute façon, le rallye, on se dit toujours, on parle souvent que du pilote, mais déjà, on est deux dans la voiture. Mmh. Donc, déjà, merci aussi aux copilotes qui ont pu m'aider, m'apporter dans tous les sens du terme, parce que j'ai pas eu que mes frères et sœurs, j'ai aussi eu Gaëtan, entre autres, et d'autres copilotes comme Alex, etc., qui sont montés avec moi. Et ça, chacun a quelque chose de différent à apporter, ce qui était sympa. Forcément, je peux dire qu'un grand merci à mes parents qui ont été toujours là, finalement, pour supporter tout ce qui est à côté, parce que y a de la logistique en fait, au-delà de ça, il y a l'assistance, il y a l'intendance, c'est plein de petites choses qui viennent prendre du temps, de l'argent, et qui, seul, de toute façon, je ne le ferai pas, faut être clair, ça, aujourd'hui c'est trop coûteux pour que je puisse assumer entièrement seul ça, les partenaires qui sont venus m'aider au fur et à mesure des années, qui ont changé parfois, qui sont arrivés à certains moments, d'autres qui sont partis à d'autres, mais sans tous ces personnes-là, j'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et puis, Manu qui a passé beaucoup d'heures, Patrick aussi à l'époque sur des voitures. Enfin, ce sont des gens qui ont toujours été présents. Et je voudrais dire aussi un grand merci à pas mal de monde qui nous supporte aussi. Et notamment quand je suis sorti Rouergue en 2017, on peut dire explosé la Saxo. Et j'ai lancé une cagnotte qui ne devait pas à la base être faite, puisque c'est des gens qui m'ont contacté le lendemain, en fait, on est rentré, et ils m'ont envoyé des messages en disant « Mais comment on peut t'aider? Est-ce qu'on peut t'envoyer de l'argent ?» etc. J'ai dit « Mais oui !» Et puis en fait, quand j'ai commencé à en avoir 5, 6, 7, 8 qui m'ont envoyé des messages, j'ai dit « Mais je vais faire une cagnotte, parce qu'à un moment donné, autant je mette ça sur un pot commun où tout le monde le voit, et il n'y a pas eu de surprise. » Et finalement, ça a débouché sur d'autres choses, puisqu'il y a des partenaires qui sont venus se joindre en fait, à ces personnes, qui ne se sont pas manifestés d'ailleurs, parce que ils ne souhaitaient pas, mais je les remercie énormément. Et très clairement, cette cagnotte, elle m'a permis de rouler très vite, puisque la voiture, on l'a remontée en 2 mois, et on a pu rouler à Béthune, et on a pu faire la finale dans la foulée, parce que c'est pareil, j'avais une partie du budget, mais je ne l'avais pas totalement, donc le complément budgétaire m'a permis de rouler, et donc les gens râlent pour les cagnottes, mais je l'ai faite qu'une fois, elle m'a permis de rouler, et je remercie énormément tous ceux qui ont participé, ils se reconnaîtront, et c'est vraiment adorable de leur part. D'accord. Et depuis ton début de carrière, entre guillemets carrière, est-ce que tu as quelque chose qui t'a marqué depuis le début? Mais comme une anecdote, quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas forcément dans le sens positif, mais en fait j'ai vu que... Enfin, aujourd'hui, je trouve dommage qu'on se prenne un peu la tête sur les rallyes, et c'est vrai que c'est pour ça que je me suis un peu mis aussi dans ma petite bulle avec ma petite équipe, finalement, parce que
voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire les choses un peu à ma façon pour me faire plaisir. J'ai pas l'intention de me prendre la tête, je serai jamais champion du monde, j'ai jamais été, ça changera pas. Je fais plus ça pour voilà, pour profiter avec mes parents, avec ma soeur, avec, avec les amis, avec tout ça, et rigoler. Et donc c'est vrai que voilà, à partir du moment où je ressentirai plus le plaisir, j'arrêterai, parce que voilà, je fais ça vraiment pour moi, pour me marrer. Ça coûte déjà assez d'argent pour encore en plus éviter de se prendre la tête. Donc ouais, c'est plus ça qui m'a marqué. C'est vrai qu'à l'époque, je me rendais peut-être pas forcément compte de tout ça, parce que j'étais vraiment focalisé en disant bah, je vais essayer de faire quelque chose. Et puis voilà, après le mondial, quand j'ai vu que c'était difficile financièrement, que la Coupe Twingo s'est pas passée comme je voulais, au bout d'un moment j'ai dit bon voilà, on repart dans un circuit où voilà, on y va pour le plaisir uniquement. Et c'est vrai que ouais, j'étais peut-être un peu naïf à l'époque, et au final on a toujours l'impression que les gens viennent pour le bon, enfin avec une bonne volonté, et puis au final on se vite critiquer, alors que je reste assez ouvert là-dessus, j'ai aucun problème à dire bonjour aux gens. Ça peut m'arriver de ne pas reconnaître les gens par contre, je m'excuse, ça arrive, mais voilà, c'est pas du tout volontaire, j'ai bien qui veut, j'ai aucun souci avec ça. Et encore en route avec le karting? Alors un peu, je le fais vraiment pour m'amuser, pour le coup, j'ai ressorti le vieux kart il y a 15 ans et je le fais vraiment pour me marrer, mais ouais, c'est plus pour la forme, pour rigoler quoi, ouais, c'est cool. D'accord, et pour revenir un petit peu au rallye de la région du comité, ouais. As-tu remarqué que le niveau s'élève de plus en plus? C'est que les écarts sont de plus en plus serrés. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'avec les F2000, on arrivait à être beaucoup plus devant avant et on se rend compte que c'est de plus en plus difficile. Donc c'est que le niveau s'est relevé. Je pense qu'il y a aussi finalement peut-être un peu plus de grosses voitures qu'avant aussi, qui font que bah, les plateaux se remplissent devant et donc augmentent le niveau. Mais c'est bien. Enfin, moi, on fait de la compétition aussi pour se battre, et à un moment donné, bah, s'il y en a qui sont meilleurs, c'est qu'ils vont plus vite. Donc c'est que ça veut dire qu'il faut qu'on se remette en question et il faut comprendre pourquoi on va moins vite qu'eux. C'est tout. Donc c'est, je trouve ça une super nouvelle. Ouais. D'accord. Pour revenir un petit peu à ton père, très brièvement, qu'est-ce qui t'a marqué sur son histoire, sur le plan sportif? En fait, j'étais gamin déjà, donc forcément, on n'a pas le même regard quand on est plus adulte. Et c'est vrai que moi, je voyais ça de mes yeux de gamin qui avait 10 ans. Quoi, donc, ouais, c'était le fait de... qu'il ait pu gagner des rallyes finalement, quand on est petit, on se dit bah, il a gagné quoi, enfin papa a gagné quoi. Donc c'est vrai que c'était cool pour ça, et je pense que c'est un peu ce qui m'a donné aussi la niaque de vouloir rouler, parce que ça donne un objectif quoi, on se dit il l'a fait, ce serait cool de pouvoir le faire aussi. Donc aujourd'hui je pense pas qu'on ait la voiture pour pouvoir facilement gagner un rallye, ça c'est sûr. Maintenant je fais avec mes moyens, je fais avec ce qui me plaît aussi, je veux dire, Donc c'est surtout comme ça que je le vois, mais ouais, c'est plus le fait qu'il ait pu gagner les rallyes, finalement ça m'a marqué. Ouais. Et puis la couronne de laurier est restée là pendant presque 20 ans dans le garage, donc je la voyais tous les jours en rentrant à l'école. Donc, c'est une fierté surtout. C'est ça, ouais. Une très grande fierté. Donc on se donne rendez-vous normalement pour le Touquet. Normalement pour le Touquet, effectivement, ouais. Voilà, donc s'il y a un sponsor qui est intéressé pour te suivre, qui te contacte directement, comment il peut te contacter? Il n'y a pas de souci, j'ai la page Facebook Pierre-Alexandre Perrin officiel déjà, qui me permet de communiquer un peu sur ce qui se passe aussi dans ma saison. Et puis j'ai une page perso, enfin voilà, il n'y a pas trop de problématiques pour me contacter. Et puis effectivement, on est toujours à la recherche de partenaires, dans le sens où, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des gros budgets. On en a une grosse partie de notre poche, mais c'est vrai que ça peut toujours faciliter, nous, déjà financièrement, et puis même en termes de communication, c'est toujours quelque chose de différent et de sympa aussi pour les partenaires, d'organiser les journées, des baptêmes. Il y a beaucoup de choses que j'ai pu faire avec les partenaires auparavant qui ont plu. Et puis même pour nous, c'est sympa parce qu'on se met un autre objectif. C'est-à-dire qu'on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour des personnes qui nous font confiance, et ça a, je pense, un impact aussi qui est très différent à ce niveau-là. Parce que c'est pas parce que je le fais pour le plaisir, je le fais pas sérieusement. Et il y a besoin d'être rigoureux dans la préparation de la voiture, dans la préparation d'épreuves, dans l'image qu'on peut aussi donner. Parce que les partenaires qui mettent de l'argent, ils ont aussi une image à défendre, ce qui est normal. Et je trouve ça important, moi, de le faire bien, pour que tout le monde en fait, ait le retour sur l'investissement qu'il a pu faire. Quoi. Donc, dernière question. Voilà. Ouais. Ouais, dernière question. Que penses-tu de notre travail, en fait, de Rally After All, notre approche. Je trouve ça sympa, parce que c'est vrai que pour en avoir vu du coup d'autres faits avant,
ça permet de découvrir les gens un petit peu différemment, parce que c'est vrai qu'on peut se faire une image de certaines personnes, en bien ou pas d'ailleurs, finalement, sans raison. Exactement. C'est, ouais. Parfois, on est jugé sans même avoir discuté avec les gens, alors que bah, finalement, il suffit juste de parler pour se rendre compte qu'ils sont peut-être pas comme on le pense. On est obligé d'un sens ou de l'autre d'ailleurs. Mais du coup, je trouve ça plutôt sympa, parce que finalement, on découvre des facettes des personnalités ou des facettes du rallye de certaines personnes qu'on ne connaissait pas. Et le fait d'avoir des personnes très différentes, finalement, ça enrichit aussi l'horizon du rallye. Je pense qu'on le voit d'ailleurs, dans le rallye, il y a tout, quoi. Il y a des gens qui ont tout type de métier, qui ont tout type de revenus, qui ont tout type de vie, et puis finalement, tout le monde est dans le même bateau, quoi. Donc, c'est plutôt, voilà, c'est pour ça que je merci à vous aussi d'avoir offert l'opportunité de pouvoir un peu me présenter, parce que c'est vrai que certains connaissent depuis récemment, d'autres depuis plus longtemps, et donc je pense que c'est ce qui permet aussi de connaître les gens, quoi, tout bêtement. Voilà, de faire découvrir l'homme. Exactement. Qui est père. Voilà. Exactement. Voilà.